Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringui. Aujourd'hui on est sur Empyrion et on va voir qu'est-ce qui se passe sur la planète, sur notre petite base. On y va tout de suite, allez zou. Et ben voilà les petits loulous, on va aller sur la lune, il faut que je regarde si j'ai assez de mine, mais je n'en ai pas assez, donc je vais en prendre un petit peu. Je te laisserai un peu dans le vaisseau au cas où j'ai des problèmes, il me faudrait les deux armes, j'en ai, c'est bon. Je vais avoir du stock au magasin parce qu'autrement ça pourrait être problématique. Donc on va mettre les gaz. La meilleure solution d'aller pour aller dans l'espace, bah, faut monter à pic. À pic à peu près. On monte à pic, exactement. Et voilà. Et ce qui est évident dans l'espace, c'est qu'une fois qu'on a lancé, qu'on a appuyé sur le propulseur, on a lancé. On perd un peu de vitesse, c'est étonnant. On perd un peu de vitesse, ouais, peut-être un peu, mais tout doucement. On va aller sur la lune elle est je crois de l'autre côté. Donc on va pousser par là. On est OP. Par contre, je vais voir quelque chose là. Alors, ceci, mes petits loulous, ça c'est Derek Ship. C'est du méchant. Maintenant, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas d'armement dessus. Mais on a besoin de se faire du méchant. Donc, on va aller se faire du méchant. Je crois qu'il est partiellement extropié le vaisseau. Donc, on peut. S'occuper de celui-ci. On peut s'occuper de celui-ci. On est pas mal. Il y a du méchant là-dedans. Maintenant, qu'on trouve l'entrée. Je sais qu'il y a une entrée par là. Il y a des conteneurs, il y a des. Donc on va peut-être stabiliser notre vaisseau par là. On peut tout éteindre, Cassie, les propulseurs aussi. On va le frigo, non? Et puis on va aller là-dedans, on cherche une base méchante. Donc par contre pour l'espace il faut obligatoirement le checkpack. Autrement rien ne se passe. Donc on a de l'oxygène, on a un peu de bouffe. Je sais qu'il y a des. Le vaisseau il est là. Je sais qu'il y a du méchant. C'est ça qui est intéressant, il y a toujours des trucs qui pop, ou alors ça c'est un truc qui reste par là, mais ça pop quand même. Ah oui, mais le souci c'est que, cher Fringui, c'est que je n'ai pas de bouclier thermique et je me gèle le cul. Il y a une toile là-bas. Donc là ça va être un peu tendu, il va falloir qu'on rentre dans le vaisseau pour se réchauffer. Et on va essayer de rentrer directement dans ce petit. Dirait qu'on pourra pas le péter totalement. Mais il va falloir qu'on regarde ça. Là on a une tourelle de minage là. Qui est allumée. La station elle est dans un autre. Elle est un peu dans l'autre sens. C'est trouver l'entrée, je sais qu'il y a peut-être une entrée par là. Je ne sais plus où précisément elle est l'entrée, il a été partiellement démonté. Donc il y a du méchant, hein. Ça on n'en doute pas. Pour l'entrée je crois qu'elle est de l'autre côté, maintenant faut être dans le bon sens du vaisseau. Hein. Il y a une entrée pour rentrer. Quelquefois, bah, il faut se faire une entrée. Là, il y a du chest intéressant. Vraiment, le truc, c'est que si on a un chest et tout, c'est cool. Mais on pourra pas avoir. Oups. Éviter de se cogner dedans, bien sûr. Si on a, il y a un chest, c'est cool, mais on n'aura pas de truc pour l'armure.
dans celui-ci, il n'y a rien. L'entrée. Je ne sais pas où elle est, on va essayer d'entrer là tout de suite. Tourette de sécurité, on va les désactiver. Tourette de sécurité, là il fait -121, je risque de me cailler rapidement. Je vais vite faire le tour par là. Je crois qu'il n'y a rien par là. Là il y a le cockpit. Il n'y a rien par là dans le cockpit. Il va falloir qu'on aille se faire une porte. J'avais pas vu ça la dernière fois. On va se poser. On peut éteindre les propulseurs. Et là, il fait combien? Ah, là c'est tempéré donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a là? Intéressant. Ah, une recharge pour le ferrailleur, ça c'est bon. Donc dès qu'on a des trucs importants. Même avant toute chose, alors, quoi qu'il arrive, on sauvegarde. On a un problème sérieux. On a la sauvegarde juste avant. Si on a vraiment un problème très sérieux, bon, il y a du méchant là-dedans, ça c'est sûr. Si on a du problème vraiment très sérieux, sécurité doors unlock. Ouais. Si on a du problème très sérieux, on a la sauvegarde. Si on veut plus revenir parce que le vaisseau a été éclaté ou je ne sais quoi d'autre, on a la sauvegarde. Ça c'est toujours vraiment important de la faire quand c'est vraiment des situations peu orthodoxes. On peut appuyer sur le J, il y a un générateur de gravité. Ça je vais le balancer là-dedans tout de suite. Fais attention que je balance pas mes munitions, ça c'est mine dans la machine. Là, je peux en laisser une partie là. La ventilation tourne, la porte elle doit être ouverte. Donc toutes mes armes sont chargées. J'ai eu l'occasion d'essayer de rentrer dans ce truc, mais j'avais pas vu l'entrée. Juste que je fasse gaffe à la température, parce que si on retourne dans la température négative, je vais avoir froid. Il y a de la ventilation. Ça c'est cool, ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc là, j'y vais vraiment tranquillou. Par contre, vu qu'on ne fait pas partie d'une faction, on ne peut pas ouvrir forcément toutes les portes. Il y a une tourelle de l'autre côté, il y a une tourelle de ce côté. On peut passer au-dessus, on n'est pas obligé de passer par la porte. Il y a plusieurs tourelles, il y a un truc là-bas en bas. Qu'on va faire un petit tourelle. Première chose. Avec le spooner. Voilà. N'oublie pas de recharger. De toute façon, il y a toujours un moyen de... toujours moyen de... d'ouvrir la porte, faut tirer dessus, quoi. Faut l'éclater. Un bon chargeur, logiquement ça passe. Si vous avez quelque chose de plus puissant, ça marche aussi. Il est mort. Ça c'est vide le conteneur.
Là-bas aussi, je vais aller tout de suite le mettre dans mon vaisseau. Bien, faut toujours bien faire des allers-retours. Moi, j'ai toujours des allers-retours. Après, je crois qu'on va être dans l'obligation de péter les portes pour rentrer. Manifestement, on n'a pas les accès. L'inventaire il va être vite full, ça fait chier, c'est vraiment les sauts de passe et les tout rikiki. Les inventaires dessus sont pas faits vraiment pour des grandes missions, mais c'est pas grave. Donc là on a tout pété, maintenant on a débloqué peut-être une des portes là, ou peut-être l'autre. Bestiole qui tire. Petit peu de merde. Hop, c'est bien, l'avantage c'est qu'on peut voler et puis on peut les flinguer. Voilà, toi t'es raide. Faut que je trouve le spawner. Il est pas loin. Ah, les tourelles sont désactivées, donc ça c'est bon. Spawner. Là il y a un autre spawner. Attends, faudrait que je me soigne, faudrait que je me soigne. Il m'a fait quoi cette saloperie? Brûlure cutanée, ok. Peut-être que j'ai un petit médoc qui traîne. Voilà, comme ça. Je dois avoir un truc pour la brûlure cutanée. Bien. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un petit quelque chose de bouffe, de munitions et tout. Bien être équipé quoi. C'est pour ça qu'il y a des inventaires, mais ils sont juste un peu limités. Donc là, est-ce que je vais réussir à rentrer? Non, elle est toujours bloquée, ok. Alors, je crois que j'ai peut-être un petit quelque chose contre les brûlures. Normalement ma vie va baisser tout doucement, bon, si je crève c'est pas grave, hein. Je mets mon stuff dans un coffre qui traîne ou dans mon vaisseau. Et puis je peux le récupérer sans souci. Alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose? Pommade antibiotique, peut-être ça devrait faire l'affaire. Ah ok nickel, moi je vais le garder sur le coude. Là. Utile, ça je vais foutre dans le frigoche. Je vais me prendre un petit truc à manger, on y retourne. Recharger nos pétoirs. Sont désactivés. J'ai vu un petit inventaire ici bien intéressant. Là, on a un bouclier mais on n'a pas le truc pour mettre dans notre bouclier. Il n'y a pas un noyau là. Il n'y a rien par là. Ok, on va aller par là. Quelqu'un en vue, quelqu'un en vue. Non. Allez, on galope là. Ouh, un piège. Un piège? Ah, il y a un spawner là-bas aussi. Ça joue normal. Ouais, les spawners apparents, puis des spawners qui ne sont pas forcément apparents et souvent ils sont planqués.
Alors, celui-là n'est pas planqué, il est juste là, mais je l'ai pas vu. Voilà. Alors là, on arriverait ici. Il faudrait qu'on saute là en haut. Pouvoir monter. Tac. Voilà, normal. Un capteur. La tourelle quand elle est activée, elle est en rouge. Normalement qu'il y en a un à côté, il y en a une de l'autre. Il y en a un directeur là-bas. Et vraiment ça passe, ce jeu je l'aime bien, moi franchement je l'aime bien. On s'amuse bien quoi, on peut être tout seul, bon ça va tout seul c'est un peu chiant on va dire. On peut être en coopération, en ligne, ça peut être sympa. Alors des gens qui sont des modes. Ah c'est pour débloquer les tourelles. Il y a là une tourelle, je vais la laisser parce que quand je vais péter le cœur du vaisseau, le ship core. On va l'appeler ship core, moi j'aime bien ship core. Pour le démonter, ça me donnait des modules électroniques. Bon, alors par contre, faut que je sois gaffe là, enfin, souvent. Souvent, il y a des tourelles au-dessus des portes. La ventilation tourne, là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Du fromage, c'est bien, on va pouvoir le bouffer, ça va nous donner un peu de. Ça va nous donner. Non, j'ai pas la majuscule, moi, je n'ai pas la majuscule. Donc ça, on va pas pouvoir rentrer dedans. On est là, hein, si, quoi que. Au-dessus, jusqu'à ce qu'elle se casse. Là, peut-être qu'elle va s'ouvrir. Non. On se faisait un canon en plasma, un coup suffit. Mais voilà. Celui-là, ouh, il est mignon, coucou. Par contre, ils sont costauds, les gens. Tiens, mais franchement, qu'est-ce que vous avez de beau? Oh, pas grand-chose. Assassin alien. Tant qu'il y a des bruits de monstres, c'est qu'il y a des monstres. D'ailleurs, il y en a d'autres.
que deux. On est coincé, on va suivre le chemin hein, qui nous préconise. Non, on est sûrement au cœur du vaisseau parce que là, on a une forme bestiole. Trois spooners sur un truc. Je suppose que là, on est vraiment pas loin du spooner. Gros tic à la noix là. Oh là là, là, là. Ah, je me suis fait démonter là. Ah là, je me suis fait déglinguer là. Oh là 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 là. Alors là par contre, il va falloir peut-être que je me tire rapidement ou que j'aille poser tout mon inventaire quelque part parce que là, je peux avoir autant de médocs que vous voulez. Ça va pas être possible. Je suis totalement infecté. Parasité et tout. Rapidement. Vraiment que je trouve le cœur du vaisseau, que je le pète comme ça, il n'y a plus de spooner, il n'y a plus rien. Voilà, là, je suis en train de... Je vais crever là. Je vais crever vraiment très rapidement. Faut que je trouve ce putain de cœur du vaisseau rapidement. Faut vraiment pour revenir par là, bon, quoi que je retrace l'armure, il y a de la bouffe. Alors là, je suis raide. Voilà, on va pas partir sur la sauvegarde, on est pas mal, mais là, c'est vrai que... Le bestiole m'a surpris, là, franchement, elle m'a surpris. Donc on va respawner directement là. Là où j'ai été tué. Donc le Derek, il est là, moi je suis... Le vaisseau est là-bas dedans. Le jackpot, il est là-bas au fond, putain. Le jetpack. Pas le jetpack, le... Mon inventaire. Mon inventaire est là-bas, donc il va falloir que je retourne rapidement. Il est où, mon vaisseau? Ah, il est là. Oui, oui, t'en fais pas, j'arrive, mon petit poulet. On va y aller au galop. La bouffe, on a exactement ce qu'il faut, donc on va tracer jusqu'à où on est crevé. Je prends tous les ennemis sont morts, passons les abousiers. Et on va continuer à... En tout cas, ce Derek, il est sympa, vraiment sympa. Je suis pas mécontent de... d'être rentré là-dedans pour une fois. Bon, elle est pas toujours là, il est pas toujours dispo ou faut tomber dessus. Hein. Il a besoin d'un petit espace, donc là nous on était passé tout droit. Logiquement, on avait buté tous les méchants. Là il y a un truc qu'on n'était pas allé voir par contre. Excuse pour les petits bruits, hein. Tac, tac. Là, on est
arrivé là où il y a des gros tics. Là, il y a peut-être quelque chose. Je viens de regarder parce que quelquefois là, il y a des trucs cachés. Rien d'être vraiment utile. Donc là, j'ai récupéré des trucs là. J'étais allé par là en haut. Par là. Tout en haut. Et mon package, il est là. Tac. Voilà, on est bon. On récupère la bouffe qu'il y a là. Je vais remettre ce qu'il faut dans mon inventaire. Ça, ça. Ça, je vais le prendre pour bouffer tout de suite. Ça, je vais le prendre aussi pour bouffer tout de suite. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Je vais le prendre aussi pour bouffer tout de suite. Je gaffe que je m'intoxique pas. Hein. J'essaie de s'intoxiquer. Il est balèze ce vaisseau. Ça, je vais garder pour après. Recharger tout ça. Là, il y a du loot. Vous pouvez voir les inventaires, ils se remplissent quand même vachement vite. Hein. La soupe. Ça, on l'a looté. Ça, c'est chargé. Ça. C'est pas tout à fait chargé. Ah, normalement les pires des saloperies, là, ça c'est bestial, comme vous pouvez voir, tu sais, il m'a fait crever en moins d'une minute quoi. Ça c'est impressionnant comme ils sont toxiques ces bestiaux. Voilà, ça se passe pas trop mal. Hein. Ouais, avec le jetpack c'est pas mal dans l'espace quand même. Alors on va recharger, on va se méfier. En tout cas il est vachement... il est vaste hein, ce truc. Vraiment vaste. Hein. Bien fait, là il y a quoi? Une ventilation pour pas qu'on meurt de froid. Heureusement qu'ils sont pas partis dans le couloir ceux-là, parce que alors là je me serais fait démonter quelque chose de sévère là. Par contre pour tous ces unités c'est un peu la merde oui. Réussi à tout prendre, bon, tant pis. Oh là là, dis donc, il y a vraiment de quoi faire. Une saloperie là. Quand il y a du loot, les petits loulous, mais par contre, pas encore vu de noyau d'auto-mineur. Ce qui me serait vraiment très utile, là, maintenant. Quand des coffres, il y en a partout. Oh là 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 là. Je vais être fou, moi. Quand je vais faire. Je vais en laisser une partie dans un des chests, parce que là, je vais pas pouvoir tout prendre. Hein. Je vais pas pouvoir tout prendre, là. Par contre, des recharges pour le. Le phare ailleurs, ça va être pas mal ça. Bon, quoi, il n'y a plus de place, hein. On est obligé de les mettre là, mais... Là, ça commence à vraiment être chargé, quoi. La mule commence à être vraiment chargée, mais il y a du bon loot, là. Il y a du bon loot, là. Alors, on est
arriver par là. Faut qu'on monte. Monte manifestement au-dessus. Oh là, il y a encore de l'enfer partout. Ah, ça, j'en ai pas frôlé les enfants. J'ai entendu du méchant. Et les méchants. Certainement bien méchant. Ça j'avais looté ça déjà. Oh, j'ai plus de place. Plus mon vaisseau est à 1 km par la coursif quoi. Oh là là, je suis obligé de les mettre là, les petits loulous. Oh, j'entends des bruits. Alors là, là va falloir se méfier. Donc, je suppose qu'il faut les. Voilà. Les petits loups, je vous disais là, sur les bases, c'est facilement 1 heure, mais là ça va être plus qu'une heure là-dessus là. Oh des balles. Ah, j'en ai déjà, je vais pouvoir stacker. Et ça. Ça je peux le mettre là. Ça c'est la même chose il me semble. C'est on est arrivé là en haut. Par où faudrait qu'on passe? Ah, peut-être par là. Ah non. On trouve quelque part pour passer là. Bestiole qui est queen, donc il y a encore forcément un passage. Ils sont par là. Oh, ça doit être par là. Oh, ouais, c'est par là. Les méchants en bas. Oh putain, je suis même pas chargé quoi. Oh, je suis full, hein. Je suis full. Oh là là. Moi je vais me grailler ça, hein. Tant pis, hein. Je récupère le max de loot. Donc, des questions que tu laisses quelque chose. Putain, les pélos là. Attendez les petits coucous. Donc c'est bien de partir bien chargé mais pas trop quand même. Voilà, c'est ultra loqué. Donc on va recharger comme il faut, ce que j'arrive à reprendre encore trop dernier. Voilà, oui. Autrement, dès que je retrouve sur un, je tombe sur un coffre, je fous tout le monde. Ça va, j'ai pas là. Pas d'autre solution, j'ai trop beaucoup trop là. Oh, cela, je vais pas me laisser toucher hein. Ah il m'a pas touché, merde. Chier. Zut, flûte, caca boudin.
suis full, mais de partout, quoi. Oh, je sais pas quoi en faire. Reste là, alors. J'essaie de me trouver un inventaire pour tout ça dedans. Faut que je pète ça. Ouais, putain, alors là, ça va être tendu, les petits loulous. Allez, on revient tout de suite. Ok, les petits loulous, on y est arrivé, on a fini, j'ai tué le chip. Et maintenant, faut que je regarde dans mon inventaire, parce que il y avait un super petit loot, j'ai vu, il y avait un chest rare, un truc rare. Et je voulais voir si j'ai looté justement ce petit chest rare, mais je crois pas, bah, j'ai dû laisser du matos dedans. Enfin voilà, j'ai pas pu tout sortir. Écoute, faut que je le retrouve, Donc je reste là parce que dans l'espace, je suis mort de froid. Et faut que je trouve où je suis passé, par où je suis passé pour sortir de ce truc. Et je sais pas du tout, je sais que je suis sorti par quelque part là-dessous. Alors si vous voyez un petit trou, moi je vous dis les petits loulous, merci de me dire où il est. Parce que là, je sais pas où je suis sorti. J'ai vu qu'il y avait une porte. On va descendre encore. J'avais vu une porte. S'ouvrait. Je sais plus par où je suis sorti. Faut que j'aille looter ce petit truc parce qu'il y a une super arme rare. Je sais plus par où je suis sorti. Au pire, ce qu'on va faire, on va faire un trou. Merde. C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Alors, il est où le trou? Il est là. Je vais essayer de passer par là-dedans. C'est pas par là. Faut que je retrouve la sortie maintenant. Voilà, franchement, parce que autrement, à un moment donné, ça despawn. Ah, mais c'est pas là, ça c'est pas surtout pas sûrement pas par là, parce que là je suis au-dessus, totalement au-dessus du vaisseau. Faut que je trouve par où je suis sorti. À un moment donné j'étais par là, il me semble. C'était pas totalement au bout du vaisseau. Là c'est une plateforme, on peut pas passer par là. Là encore un chest là bas en bas. Un chest partout ici. Faut que je descende, je vais me coincer là de nouveau. C'est déjà le cas. Je sais pas par où j'y suis passé, franchement, je sais pas par où j'y suis passé. J'aurais pu passer, j'avais vu une porte. Bon, on va tirer là-dedans. Vu que le chip est... cassé. On va pouvoir faire un trou. Des trous, j'ai laissé mon démoteur en tout genre.
laisser mon outil multifonction dedans. Là, on a l'air d'avoir un passage. Ah ok, alors on va essayer d'y aller rapidement. Je vais mettre la lumière, pas je vois rien. Par où j'étais passé, parce que là je risque d'avoir vite froid. Se remettre dans le bon sens. Manifestement, on était par là. Là, on était monté là en haut. On est arrivé par là. C'est un vrai labyrinthe, ce machin. Franchement, c'est un vrai labyrinthe. Là, on n'était pas arrivé par là. On n'était pas trop mal. Là, on était par là. Je crois que j'ai fait un trou par là. Et c'était là. Mais je crois qu'il a déjà disparu. Non, il est là. Nickel. Nickel. Il y a ça là. Alors là, maintenant, je vais essayer de vite aller au vaisseau. Donc, j'étais passé par la coque. J'étais pas loin, hein. J'étais juste là. Non. Oui, j'étais juste là. Bon, maintenant, il est où mon vaisseau? Où est mon vaisseau? Il est par là-bas en bas, vite, avant que je meure de froid. Voilà, 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 voilà. Ok, j'ai mon truc. je suis vraiment content. Alors, je vais... Je vais le laisser comme il est. Par contre là-bas, les cabines là en haut, je suis pas allé, hein. Je suis pas visité. Là je suis affamé, je vais crever, donc on va laisser comme ça. Je vais sortir du ship. Je vais crever à l'extérieur. Et puis ce bâtiment, on va le laisser là. Je vais le pointer comme quoi. Derek Ship, je vais le mettre signaler. Oups, bah, je suis déjà mort. Je vais le signaler. Je m'excuse pour le boisson. J'ai soif, moi, je suis désolé à parler comme ça. Je vais... alors, il est où mon vaisseau? Il est où mon vaisseau? Il est où? Il est par là en bas. Je vais le mettre... je vais le pointer sur ma... Je vais le pointer sur la map. Mettre un repère sur cette map. Il va pas despawner. Il va pas disparaître. Voilà, c'est quand même énorme, ce truc. Il va pas despawner. Et... marqué sur la map, oui, je sais, je suis en train de me geler le cul, je sais, Fringy, t'as froid, c'est vrai. C'est vraiment des ressources super intéressantes. À part la ferraille, bien sûr, mais à tous les canons, toutes ces conneries là. Je vais le laisser là, je vais le pointer, je vais partir un peu plus loin. Voilà. Le Derek, je vais le mettre. Pointé, parce que je sais pas s'il va disparaître. Et on reviendra avec le vaisseau mère. Un vaisseau mère dès qu'on en a un et on viendra, on le démontera. Parce que là je peux pas. Je peux pas. Pas avec ça. Et mon inventaire est full, comme vous avez pu voir, il est full de chez Foufoul. Donc on va le laisser comme il est là, il va pas despawner, il restera là. Et dès qu'on a un vaisseau mère, on va mettre des canons de. Un canon multi-outil, car on a sur les vaisseaux mères, et on viendra le démanteler partiellement, totalement, peu importe, mais on le démantèlera, ça c'est sûr. C'est vraiment de la ressource intéressante. Bon, là c'est bien, on va rendre un brouillard de guerre, c'est très bien, et mais on le fera plus tard, quoi. On le fera plus tard parce que pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut. Et même si j'ai mon vaisseau avec mes chests dedans à gogo. Il faudra tout de même que je vienne avec un vaisseau beaucoup plus gros pour récupérer tout. Ça fait beaucoup vite la ferraille si on le démantèle totalement. Et on n'a pas le temps. Donc
n'a pas ce qu'il faut pour l'instant, donc on va patienter. Alors là, comme vous pouvez voir, les amis, sur la barre, E, à l'est, donc c'est rouge, et la barre du dessus qui était pleine, et les deux barres, les deux petites barres au-dessus, en dessous, elles étaient aussi pleines. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que ça voulait dire qu'il y avait deux signoles, deux gisements, ou deux quelque chose? Je ne sais rien. Donc lui, on va récupérer ça. Ou alors que c'est un peu un territoire ennemi du style pas cela, si vous voyez bien. Il y a des bestioles là-bas. Donc on peut les flinguer hein, aussi. Hein. Y compris un PMO, il y a quelquefois il y a des petites escouades. Hein. Les petites escouades de méchants. Des cartes bleues lui. Ah, je vais enlever la vision nocturne de la manière. Cette vision aussi là. Et ça c'est toujours bien de les prendre parce qu'ils ont toujours du truc intéressant du style ça. Mettre la lumière. Et peut-être que ça veut dire qu'il y a des patrouilles ou je sais pas quoi. Patrouille, je sais pas, franchement je sais pas les amis, je ne peux pas vous dire. Donc on va aller voir vite sur Peren là, là au nord où je vois d'ici, c'est là bas c'est une base avec des tourelles, donc on va pas faire le flinguer. Je tire dessus déjà, faut que je déverrouille le frein, que je ralentisse et que je passe plus près du sol possible. Là bas il y en a aussi une autre. Ouh, il y a trois barres là, ça veut dire que là je crois qu'on est en terrain certainement bien ennemi. Là on va pas insister par là, ça veut dire que la zone est peut-être très dangereuse. Là on a un historique, artefact, ça c'est pas dangereux, donc on peut y aller. Peut-être ça veut dire que le niveau, peut-être ça veut dire, voilà, il y a deux trucs à découvrir à cet endroit là. Possible, hein. Franchement c'est possible. Là il y a un autre truc. Je sais pas si c'est ennemi ou ami, je crois qu'il doit avoir une tourelle quand même. Abandonnette drone base. Drone base, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Donc il n'y a pas de tourelle là-dessus, vu que c'est abandonné. On va aller au nord, mais je crois que c'est justement d'où on vient. Il y a du loot, il y a du loot par là les amis, il y a du loot. Bon, on va retourner à notre base. Poser tout ça et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Allez, on s'y retrouve tout de suite. Allez. Et ben voilà les amis, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres qui sont certainement en ligne ou qui vont venir. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à partager surtout. Et écoutez, faites pas les fous. Et puis tchou. Salut.